Putain, il est en train de me péter les couilles ce truc, hein. Comment ça me faire chier cette merde? C'est Florent des French Monkeys, j'espère que vous allez bien. Pour nous, il commence à faire un petit peu froid dans l'atelier, donc on s'équipe un petit peu, on met les bonnets, on met le pull, et ça va tout seul. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la préparation BMW R80 Monolever Bobber. Le titre à rallonge de mal. On va vous montrer du coup ce qu'on a fait dessus en assez peu de temps, finalement, en un mois. On a réussi à faire une avancée assez colossale dessus. Donc, je vous laisse me suivre, et je vous montre ce qu'on a fait sur cette moto. Donc pour commencer, on est sur un phare typé old school, mais full LED quand même. Pour l'instant, on n'est pas encore satisfait de la ligne générale de ce phare, surtout par rapport aux pattes de phare. On a des pattes de phare qui sont un peu trop grandes. On a un espace qui est un peu trop grand aussi ici, parce qu'on va avoir un tout petit compteur qui va être là, du coup un espace trop grand. Donc on attend, on a des pattes de phare qui vont arriver, on va faire des essais, on va vous montrer tout ça plus tard. Et on vous sortira aussi bientôt une vidéo pour vous montrer tous les feux qu'on peut mettre sur cette moto. Et finalement lequel on va mettre, parce que c'est pas le définitif qui est monté là-dessus. On continue sur le réservoir de la bécane. Donc on est sur un gris métallisé de chez Mercedes, le Silverado exactement, année 2017 il me semble. Donc on est sur un réservoir assez sobre, hein, y a pas de fioritures. On est sur un gris métallisé mais qui rend vraiment bien, avec des petits logos BMW chromés et noir mat. Donc on a vraiment un résultat qui est sobre mais qui est parfait. On a un rendu qui est nickel. On passe ensuite sur la selle. Donc la selle, on est sur un support hop, tout en métal. Donc un support de selle spécifique, hein, qu'on est venu faire sur le bâti directement. Donc fixation en trois points. On a les deux ici. Et on a le troisième point qui vient ici. Donc pour l'instant, il n'est pas encore totalement fini. Mais on a la selle aussi qui est terminée et qui vient se mettre hop, assez facilement. Hein, voilà. Nous on aime bien quand c'est facile, quand ça se met facilement sur les bécanes. Et là on a un rendu qui est encore une fois pour nous satisfaisant, qui est parfait même, on a vraiment un visuel qui est top. Parce qu'on a, comme on peut le voir à l'arrière, un espace entre la roue et la selle qui n'est pas immense. On peut mettre juste le point comme ça dedans, mais on a le débattement, ne vous inquiétez pas, avec l'amortisseur YSS qui est tout calculé pour l'espace qu'on a ici, pour pas que la roue vienne taper sous la selle de la bécane. Donc là on est sur un amortisseur full sur mesure pour BMW Monolever spécifiquement, avec une cartouche à gaz. Donc on a vraiment un confort qui est parfait avec cet amortisseur là. C'est une marque qui vient des Pays-Bas. Donc les amortisseurs sont fabriqués dans une usine en Thaïlande, une usine vraiment haut de gamme, une usine vraiment pointue, et qui font des amortisseurs entièrement sur mesure. Donc vous choisissez la couleur, vous choisissez la longueur que vous voulez et sur quelle moto vous voulez le monter, à gaz ou non, et vous recevez ça. Et c'est des amortisseurs qu'on peut trouver sur notre boutique. Donc je vous laisse aussi le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, les pneumatiques. Là, on a peint les jantes en noir satiné et on a des pneus type Firestone. Donc c'est pas des Firestone, c'est des TT classiques. C'est des pneus, encore une fois, qu'on peut aussi trouver sur notre shop FrenchMonkeyShop.com. Là on est monté en 4,50x18, donc ça équivaut quasiment à un 120-130 en taille en millimètres. Là on est sur du 4,5 pouces, et comme vous pouvez le voir, ça passe parfaitement avec le bras oscillant. Donc c'est souvent la question qu'on nous pose, est-ce que cette taille peut passer sur ma BM? Oui, elle peut passer sur la BM sans souci. Donc c'est la plus grosse taille, enfin non, la plus grosse taille c'est du 5 pouces, mais sur BM en 18 pouces du coup ça n'existe pas, on peut pas le monter dessus. Donc voilà la taille maximum qu'on peut monter sur BMW avec ce type de pneu.
niveau du moteur, on lui a fait vraiment une cure de jouvence puisqu'il a entièrement été nettoyé à la main. On n'a pas utilisé de système d'aérogommage ou autre comme on a l'habitude de faire puisque le moteur est resté dans le cadre. Le cadre était vraiment en bon état. Le moteur était juste sale, donc ça ne nous servait à rien de sortir complètement de ce cadre et sortir aussi toute l'électricité. Là, on l'a laissé à l'intérieur et il a été entièrement refait. Donc, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, on est passé sur un style de moteur série 6 plutôt que le série 7 comme on a sur ce modèle. Donc, carter démarreur qui a été changé, boîte à air qui a été changée, donc du coup tout série 6. On a refait aussi entièrement les carburateurs comme vous pouvez le voir en détail. Donc on est vraiment passé partout, ils sont entièrement refaits. On est passé ensuite sur des cache-culbutes de série 6. Donc les cache-culbutes de série 6 sont bien plus ronds que les série 7 qui sont bien plus anguleux. On a refait aussi toute la ligne du coup avec de la bande thermique. Donc nous personnellement on n'est pas vraiment fan de la bande thermique sur des prépas qui sont assez aboutis comme celle-ci puisqu'on a l'impression d'avoir caché la misère et c'est le cas. Parce que le collecteur était assez rouillé, vraiment en mauvais état et le client n'avait pas forcément le budget pour choisir des collecteurs neufs donc chromés qui coûtent environ 300-400 €. Donc on a décidé avec le client de mettre de la bande thermique. Donc sur une prépa comme celle-ci, la bande thermique noire aurait été mieux puisqu'on est sur un ensemble qui est assez monochrome. Pourquoi on est parti sur de la titane? Tout simplement parce que la titane ne change pas dans le temps au niveau de la couleur. Si vous prenez n'importe quelle bande thermique de couleur noire, elle va blanchir avec le temps et assez rapidement. C'est la chaleur en fait qui, la chaleur et la flotte qui vont altérer sa couleur. Et en fait la couleur noire va partir. Et la titane c'est vraiment la seule qui bouge pas. La blanche elle, à défaut, va devenir noir. Donc on est aussi sur le carter, par contre là on est resté sur un carter de série 7 qu'on n'a pas aussi en noir et on a laissé la bande centrale couleur grise pour faire un petit rappel avec le moteur. Ensuite sur l'avant, on est passé aussi bah forcément hein, sur les mêmes pneus qu'à l'arrière. L'avantage ici, vu qu'on fait un bobber et c'est sur le modèle d'origine, c'est comme ça, on est sur une jante en 18 comme à l'arrière, donc on est très équilibré, on est resté quand même sur du 4,50 aussi en largeur au niveau du pneu, donc à savoir ça va aussi passer le 4,50 à l'avant sur ce type de moto. Par contre le seul problème c'est que ça va être assez lourd à conduire, donc il faut abaisser le centre de gravité. Donc là on a abaissé la fourche, on lui a enlevé 5 cm et on lui a mis des soufflets aussi pour accentuer l'effet rabaissé. Là pour l'instant hein, on est que sur du montage à blanc, donc vous inquiétez pas, c'est pas serré, c'est serré vraiment de nulle part. On vous fait juste un petit montage à blanc pour cette vidéo pour vous montrer l'avancée des travaux et le look général de cette moto. On a aussi un guidon qui est assez haut, donc on n'est pas sur un guidon bas. On aurait aimé mettre des bracelets, mais sur un bobber les bracelets c'est pas forcément adéquat non plus au niveau position de conduite. Là le client voulait une position de conduite assez haute, donc on a mis un guidon. On n'est pas sur un guidon très haut, hein, on est sur un guidon quand même assez bas, mais un guidon qui est large et qui permet aussi d'avoir une conduite qui est plus souple et plus agréable avec une moto qui est aussi rabaissée. Donc on a aussi peint le cardan, donc tout le pont arrière est peint en noir satiné aussi. Et on a libre champ sur la roue arrière, donc vu qu'on est sur un monolever, c'est un monobras. Et on a la roue qui est pleinement libre à l'arrière puisqu'on a décidé de mettre des échappements assez courts. Donc là on est sur des échappements French Monkeys Exhaust que vous pouvez encore une fois trouver sur notre shop. Donc c'est des silencieux entièrement sur mesure. Vous choisissez la longueur de votre échappement, vous choisissez le diamètre d'entrée et vous choisissez le type de fixation latérale ou haute du silencieux. Au niveau de la batterie, on a décidé de la placer sous la boîte de vitesse plutôt que au-dessus comme on peut avoir d'origine. Donc on a supprimé toutes les fixations du dessus et on est venu la mettre en dessous avec un bac spécifique que vous pourrez peut-être bientôt trouver sur notre site. Pour l'instant c'est un prototype et on est passé sur une batterie au gel pour pouvoir la coucher. Et voilà, du coup on a pu grâce à ça épurer au maximum l'arrière du moteur pour vraiment donner cet aspect flottant à la roue arrière. Et je vous le dis avant que vous me posiez la question, la béquille centrale, elle va pas rester, elle va dégager. Donc comme vous pouvez le voir, il nous reste encore pas mal de travail sur cette BMW, notamment tout ce qui est électricité.
On a encore les clignotants, feu arrière, éclairage de plaque, support de plaque à installer pour l'arrière. On a encore tous les branchements à faire avec les clignotants avant, le feu, tout ce qui est commodo, poignée de gaz, tout ce qui est câblage au niveau des raccords, au niveau des carbus. Il reste encore pas mal de choses à faire, aussi tout le resserrage de partout, hein, parce qu'on a dû changer soufflet de cardan, on a dû changer les vis de cardan, parce qu'à savoir, des vis de cardan, si vous désaccouplez le cardan de la BMW, il faut acheter des vis neuves, parce que c'est des vis qui sont étirables, donc si vous remontez les vis de cardan que vous avez démontées, elles ont été fragilisées, ce qui fait que si vous les remontez, quand vous allez rouler, une grosse accélération peut venir casser ces vis, du coup casser le cardan, casser tout l'arrière. Donc changez directement vos 4 vis, vous en avez pour une quinzaine d'euros, ça coûte pas très cher sur la scie spécialisée de BMW, et au moins vous serez tranquille. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à suivre l'avancée de cette prépa. Vous avez été nombreux à nous envoyer beaucoup de messages pour nous demander où elle en était. On poste régulièrement des photos sur Instagram pour vous montrer l'avancée des travaux, aussi bien en story qu'en article directement posté. Et il nous restera encore une vidéo pour vous montrer la bécane complètement terminée. Donc on aura mis un mois et demi, deux mois à faire cette moto-là. On est assez fiers du résultat pour l'instant qui en sort de cette bécane. Mais on a vraiment hâte de vous montrer le résultat final de cette bécane. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Vous avez les liens dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous dire à bientôt. C'était Florent des French Monkeys. Ciao, ciao. 3, 2, 1.